Donc, monsieur précisait pour RFI que c'est pas force étrangère là qui pral attaquer gang yo, c'est la police ak l'armée qui pral goumen contre bandi yo. Monsieur continue pour le dire, mission hein, qui donc force étrangère là, mission principale li c'est accompagner PNH là dans cadre opération k'ap mené yo. Et ensuite reprend contrôle territoire te perdu yo, territoire qui en bas contrôle gang yo. Mais c'est la police nationale d'Haïti ak FADH qui pral goumen contre bandi yo. Ça veut dire la police ak FADH ap bataille pour récupérer territoire et puis les récupérer yo kou nya force étrangère la pral vini di OK la police ou fin prend zone ça mon m'a tout rete là-dedans pour n'go pas retourner encore. Son pays difficile papa. Il y a difficile. Effectivement, nous t'ai dit ça d'ailleurs. Puisque la police c'est eux même qui compte terrain. Il y a toujours dans opération yo accompagner force étrangère yo. Même sûr que force la gen pi bon matériel parce que la police. Si la police te gen moyen force la te gen pa la besoin yo. Si yo vin la pour quantité million, parce que qui ça qui passé? Tout ça qu'a fait là, c'est pour la protection de ces étrangers. Parce que si un soldat étranger là mouri, tête gare koni ap chaud. Li pi facile pour monsieur là, plusieurs militaires haïtiens tombés, plusieurs policiers tombés, ça pas dit rien comme toujours. Que un soldat étranger et peut-être c'est ça l'a évité tout. Alors que sous ton haïtien en homme, il y a des questions tu as toujours évité ou bien ou tu as toujours de manière diplomatique alors qu'on connaît en réalité c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais l'on plaît de répéter, le répéter, le répéter. C'est comme quoi on dit bandi, oh ben, monsieur, relax. On va se paniquer. C'est même policier qui est habitué avec eux. Ou qu'on a un pile là de ses amis nous qui dans gang avec nous. Il s'est antenne yoye. D'ailleurs, c'est un pigou de gamme qui est dans la police là. La, policier qui est dans gang. C'est un pigou de gamme qui est dans la police là. Il y a des policiers qui parlent avec qui presque crient. Quand dit m'tete, pigou de gamme nous là. C'est des policiers qui avènent, qui n'ont blindé avènent et qui se antennent bandits. Mbap, j'en policier, papa. M'da policier ou maon, pour l'an même, pour l'on blindé avènent, pour m'gen élément, m'gen évidence nan même que le se bandit pour le rete vivant. Négatif, mon chè, pas un bar comme ça. Gon neg la, yo vide à te grecier. C'est monsieur qui a poté manger pour policier, oui. Chéri Lalain, c'est monsieur qui a porté manger aux policiers, oui. Et puis, il y a deux, trois policiers, bah, je dis qu'il y a une unité, qui suspectent que monsieur n'a pas fait une bonne moune. Parce que, il y a des vidéos bandits, on ne peut pas passer une crasse. Il y a des vidéos qui viennent dans les bandits, les policiers ont questionné qui côté image ça a passé quand elle sorti. Même mon vieux spaghetti policier a mangé dans la base, monsieur filme le livre et les bandits, oui. Tenez bien. Même mon vieux spaghetti policier a mangé grecier. Monsieur filmé le livre et le bandit. Et c'est ça que faut bandit attaque grecier avant. Oui. C'est monsieur qui dit neguio. Mais policiers là, ils déplacé, ils fait tel bagage, ils fait tel bagage. C'est monsieur qui a balayé au contrôle. Oui. Alors que la mangea policier là, en da, oui. C'est lui-même qui. Est-ce qu'on voit comme un pays fragile, papa? M'dou kounya m'vin prudent. Même nek avec écrit dans le téléphone, m'bouida, c'est tellement de mauvais sang, de mauvais jeu, m'bouida avec yo. Yo tout gen ti ba yo ap defan. On est policier ou nan volontaire moun. Ou pas bon moun? Et puis kou yo denonce ou fâché. C'est pas des on doit faire. Gon commissaire police non zon ou pas respecte l, ça fait pour ap fè. Nous pas gen bureau, nous arrêtons moun, nous kembel nan men nous pas voyer le bail commissaire police dans zone nan. Ça commence à rele. Son pays difficile. Ou Haïti pas facile du tout, non?
Monsieur ak policier yo, c'est lui monsieur qui a porté manger au policier yo. Alors que c'est antenne bout de balle, c'est antenne petit bébé bougoy. C'est là qu'il y a deux trois policiers qui disent pas comprendre. Et puis yo prend monsieur pendant mission là. Yo dit l'autre policier dit non monsieur, pas fait mission et nèg pas nous lier ça té aller avec nous nèg nous. Yo dit nous pas gétan connait. On dit et nèg pas OK, checker téléphone moi. Ouvre téléphone non. Là regardez mes téléphone, mes l'autre téléphone monsieur. Mais tout message monsieur, nèg yo même dou même mon petit spaghetti nèg yo. Mais mon vieux rêve nèg yo pral faire en bas monsieur gétan voir le bail nèg yo. Tenez bien, oui. Nèg yo, nèg ndou, même mon vieux rêve nèg yo envie à le faire dans commissariat, oui. Monsieur est dans 10 bout de bas. Monsieur dit ti bébé bout de bois. Ah, on nèg là pral font virer là, va pas dégage. Il élimine monsieur. Et monsieur était là le bal encore. Moi on pas jamais chef. Ouais, traite là plus fragile. Traite, il y a des policiers là connait dans gang, oui. Et il a dit ça qui passé. Oh, ou connait une bagarre effectif. Puisque pas effectif, nèg la protège, nèg li connaît que li nan gang. Haïti pas petit, non pas. Policial connaît nèg la nan gang. Mais le fait que pas effectif, li quand même protégé là lorsque le connaît nan gang. Quitte ça. Eh bien Gary connaît monsieur Gétan la geba là, il va de mèche là. Même Jean-Lesti Voltaire te dit, et tous les deux, c'est en France, ils parlent comme ça. Qui ça veut dire? Est-ce que son message? Cependant, avant, je vais faire un extrait dans l'intervention Gary Conille devant Conseil de sécurité de l'ONU. Mais mon qui a attiré l'attention, c'est ce monsieur. Monsieur dit exactement ça, m'a dit pendant plusieurs semaines, plusieurs mois même année, parce que des émissions, je m'a retourné, m'a pour depuis qui le m'a dit parole ça? Et laissez-moi dire, ça n'est pas important. Monsieur, ça sur l'écran, mais n'est-ce pas? Et puis, bien sérieux, papa. Comme si, yo ne pour yo pas faire moun. Yo a besoin de kotoye, koto kampe, yo ne pour yo pas faire moun. Monsieur Sakila, monsieur c'est représentant permanent la Russie dans les Nations Unies. Monsieur Rele Nebenzia Vassili. Maron si me dit non le bien. Monsieur Rele Nebenzia ZYA Nebenzia Vassili. Monsieur c'est représentant permanent la Russie dans les Nations Unies. Pendant réunion Conseil sécurité sur dossier haïtien, monsieur pas mettre de l'eau dans bouche pour le dire ça le penser. Monsieur Lagel sans filtre, monsieur dit clairement ça qu'a passé haïtien, États-Unis pas innocent là-dedans parce que toutes âmes, ou bien majorité âmes qui arrivent à Haïti, c'est États-Unis qui sont sortis. Entendez? Je me dis, ça me pense que vous avez moins de parler. Et moins de parler, ça me dit pas important. Entendez, chef là, non là, représentant Russie dans l'ONU, là. Entendez, monsieur. En qualité de représentant de la Fédération de Russie, nous remercions la représentante spéciale du secrétaire général, Mme Maria Salvador, pour son exposé sur la situation en Haïti. Et nous nous félicitons de la présence à cette réunion du Premier ministre Gary Conille. Sa nomination au poste de chef du gouvernement est sans conteste une étape importante pour le renforcement des institutions haïtiennes. Nous appuyons le cabinet des ministres ainsi que le Conseil présidentiel de transition qui s'efforce de diriger le pays dans une période critique. Leur objectif aujourd'hui est de préparer un scrutin national. Nous nous félicitons également de la présence de M. Alvarez Gilles, ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine parmi nous. Parmi les priorités des autorités de transition aujourd'hui, outre préparation du scrutin présidentiel conformément à la constitution d'Haïti. Il y a le rétablissement de l'ordre dans le pays, la création de structures administratives temporaires. Et dans ces conditions, toute intervention extérieure est tout à fait inacceptable. La situation de ces trois derniers mois a démontré qu'on
lorsqu'il y a une certaine volonté politique, eh bien, les partis arrivent à surmonter leurs dissensions et à agir de concert pour le bien du pays. Les forces politiques haïtiennes ont aujourd'hui une responsabilité capitale pour surmonter cette crise. Néanmoins, en dépit des progrès réalisés sur le front politique, nous sommes loin d'une véritable amélioration de la situation sur le terrain. Les groupes et bandes criminelles continuent de contrôler 80% du territoire de Port-au-Prince, y compris les axes routiers stratégiques et les points d'entrée et de sortie de la capitale. Les bandes criminelles ont entre leurs mains au moins 500 000 armes à feu, dont des lance-grenades et des fusils de sniper. Sur les réseaux sociaux, on voit s'afficher leurs dirigeants dans des vidéos où ils se vantent d'armer des armées privées jusqu'aux dents. Valérie, est-ce que nous comprenons? N'est-ce que vous pensez que réseaux sociaux, c'est seulement qui utilisent? Vous pensez que l'émission m'a fait là, je veux dire, c'est le monde entier qui a suivi, qui a regardé? Ou ça, monsieur dit? Monsieur dit que li ka constaté sur réseau social yo des criminels armés kap exhibé quantité zam gros zam la guerre yo genyen. Je dis ça hein? D'après les informations fournies par l'ONUDC, c'est depuis la Floride qu'arrivent principalement ces armes par voie aérienne et maritime. Mais tout n'est pas ça, Tidjon. Tendez bien. Je dis bien sûr et selon informations qui partagées, zam de guerre sa yo, chef de gang yo, a exhibé, a fait ouais sur réseau social yo. Ces États-Unis ont sorti en particulier sous côte Floride là. Et ça pas nouvelle, hein? Ouais? Pour les fans de Ticozé, ça pas nous, ça pas nouvelle parce que pour nouvelle faut que les nouvelles. Nous et les Haïtiens des chiens écras, des chiens écrasés. Ça pas nouvelle pour nous. Mais les nouvelles parce que c'est la Russie qui finalement crache en vérité dans Conseil sécurité des Nations Unies. Attention, hein. Suivez mon regard. Quittez le roulet, Tidjon. Ont entre leurs mains au moins 500 000 armes à feu, dont des lance-grenades et des fusils de sniper. Plus de 500 000 armes. Songez Michel Ange de Yon, lorsque monsieur était directeur général pour l'Islande, dans le cadre d'un bilan que tu as présenté. Monsieur a prononcé son discours au niveau du Sénat de la République. Monsieur dit que dans l'époque ça a plus passé soit plus passé 300 000 ou plus passé 400 000 armes qui en circulation. Et là monsieur te dit ça représente aussi à 500 000. Monsieur que nous presque nos millions d'armes actuellement qui en circulation. Et parce que gen zam nan yo gen la ki fait paraître pendant ou payant là a fonctionné là. Nèg yo a recevoir zam là oui presque chaque jour. Son pays difficile tout bon Haïti papa bon pas couper les bon quitter chef là parler pour le parler avec blanc c'est là monsieur a parlé là dans Conseil sécurité l'ONU gros parole comment au moins 500 000 armes à feu dont des lance-grenades et des fusils de sniper. Sur les réseaux sociaux, on voit s'afficher leurs dirigeants dans des vidéos où ils se vantent d'armer des armées privées jusqu'aux dents. D'après les informations fournies par l'ONUDC, c'est depuis la Floride qu'arrivent principalement ces armes par voie aérienne et maritime. Mais nous ne pensons pas que l'embargo, sous sa forme actuelle, freine ce trafic arrivant depuis les États-Unis. Si Washington le voulait, il aurait pu régler ce problème pourtant. Mais aujourd'hui, nos collègues américains préfèrent utiliser ces problèmes comme levier d'action sur les autorités du pays. Le comité de sanctions 26-53 tergiverse
La situation aujourd'hui suppose des mesures concrètes, mais on ne propose pas d'ajouter sur la liste les personnes véritablement responsables. Il y a aujourd'hui sur les listes 5 personnes qui sont des dirigeants de bandes criminelles. Nous ne sommes pas contre leur inscription sur la liste, mais nous ne pensons pas que leur contribution soit significative. Ils n'ont pas de compte à l'étranger et ne s'intéressent pas au voyage. On ne peut pas en dire autant de ceux qui se livrent à la contrebande et au trafic d'armes. Mais les experts du comité ne semblent pas vouloir vexer Washington dans ces conditions. La visite du groupe d'experts en Haïti cet été devrait peut-être contribuer à une amélioration de la situation. Nous espérons qu'il y aura une visite du Conseil de sécurité également prochainement. En tout cas, à l'heure actuelle, nous devons nous contenter de la mission d'appui à la sécurité nationale dont les premiers contingents sont déjà déployés et nous pensons que des informations doivent encore être communiquer sur le personnel et la contribution financière à cette mission, sur les paramètres de l'emploi de la force également dans le cadre de cette mission. Nous attirons également l'attention sur le fait que la mission doit agir en coordination avec les forces nationales de sécurité en tenant compte des priorités de ces forces nationales afin de permettre le transfert des responsabilité en matière de sécurité progressivement aux autorités nationales. On nous a promis que les erreurs passées ne se reproduiraient pas. C'est pourquoi nous entendons contrôler la situation et voir comment les choses se déroulent sur place. Concernant le BINU, nous pensons que son mandat est important. La mission politique spéciale doit jouer un rôle plus important pour appuyer le dialogue politique, préparer le scrutin et pour appuyer également la police nationale haïtienne. Pour ce faire, il faut rétablir tout le personnel prévu par le mandat de la mission afin que ses priorités soient pleinement réalisées. La Russie, en tant que membre responsable du Conseil de sécurité, continuera d'apporter son aide aux autorités haïtiennes afin que cette situation soit réglée. Nous continuerons également d'appuyer les efforts internationaux en ce sens. J'aimerais maintenant faire une intervention. Ok. Qui ça n'a besoin pas d'accord? Écoutez. Qui ça ne t'a besoin d'attendre encore? Pas un problème. Je pense que nous clair. Représentant permanent la Russie dans l'ONU, la Fédération Russie, je suis clairement dit que les mal comprennent pour gagner tout déblosage ça, plus par ces 500 000 armes de guerre qui sont en circulation en Haïti, alors que les États-Unis, c'est un premier pays qui pichot devant ban. Pour que gagne force multinationale qui débarque en Haïti, alors que la société, écoutez, qui s'est passé là, c'est que j'ai dit, mais toutes âmes que n'a pas les côté au sorti, c'est les États-Unis au sorti, en particulier dans la Floride là. Je dis, si vous sortez là en Floride, là, pas de nécessité justement pour nous même déployer force militaire sur le pays d'Haïti. Je dis, alors que Haïti a un embargo d'armes sur lui, si il y a un embargo, je dis, mais qui ça embargo ça veut dire, qui ça l'utile parce que il y a un embargo sur Haïti pour les armes rentrer, alors que les armes rentrer chaque jour illégalement. Comme si légalement il y a un embargo pour les armes rentrer. Quel contraste! Légalement, il y a un embargo pour ça pas rentrer en Haïti. Alors que illégalement, ça rentre chaque jour dans le pays. C'est un monde difficile, papa. Côté Gary Koné, monsieur parlait, bon, moi, ça le dit même. Monsieur parlait, bon, moi, j'attends un petit calme pour le discours. Sécurité, je commencerai évidemment par reconnaître la présence dans la salle du ministre des Affaires étrangères dominicain, monsieur Alvarez, de la représentante du Canada. Le représentant de la représentante de Saint-Kitts et Nevis et évidemment du représentant de Kenya. Monsieur le Président, Madame la représentante spéciale du BINU, honorable membre du Conseil, c'est avec un sentiment profond de lourde responsabilité, un espoir renouvelé dans l'engagement d'Haïti à être actrice de son propre devenir que je partage avec vous aujourd'hui les aspirations des millions d'Haïtiens.
En effet, malgré des années de lutte acharnée, de résilience inébranlable, notre peuple continue de se battre pour un avenir meilleur. Haïti, enracinée dans une histoire de courage et de liberté, est prête à tourner la page décisive de son histoire. Avant tout, permettez-moi d'exprimer ma gratitude envers l'ambassadeur de la Fédération de Russie, son Excellence M. Vassili Nemanja, pour sa présidence du Conseil de sécurité ce mois-ci, et je lui souhaite plein succès dans l'exercice de ses responsabilités. Je tiens également à remercier la présidence précédente, assurée par la République de Corée, pour son engagement exceptionnel et la gestion efficace des travaux du Conseil qui ont renforcé notre mission commune. J'adresse un remerciement spécial au secrétaire général pour son soutien indéfectible envers Haïti depuis son entrée en fonction. Son dévouement pour la cause d'Haïti et sa volonté à travailler à nos côtés pour surmonter nos défis reflètent l'esprit de solidarité nécessaire à notre progrès. Sa présence continue et son soutien sont une source d'inspiration et de confiance pour le peuple haïtien. Monsieur le Président, Madame la représentante spéciale du BINU, honorable membre du Conseil de sécurité, je tiens aussi à exprimer mes sincères remerciements à Madame Maria Isabel Salvador, représentante spéciale pour Haïti et chef du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, pour son rapport détaillé et sa présentation perspicace sur les récents développements en Haïti. Madame la représentante, votre analyse approfondie et vos observations critiques offrent une importante note de compréhension des enjeux actuels. Je remercie également les membres du Conseil pour leur intervention précieuse aujourd'hui. Votre dévouement et votre engagement en faveur de la stabilisation et du progrès en Haïti sont profondément appréciés. Nous sommes conscients des préoccupations soulevées par le rapport du BINU et partageons l'urgence de résoudre de manière durable les problèmes sécuritaires exacerbés par l'activité des bandes criminelles. Ces défis menacent le tissu social et économique de notre pays et entravent nos efforts de reconstruction et de développement. Le rapport souligne également les progrès dans la mise en place de structures de gouvernance transitoires qui sont vitales pour la stabilité politique et sociale d'Haïti. Nous encourageons donc le support du BINU dans l'appui du processus politique pendant ces périodes de turbulence politique. Ce rôle reste important pour réduire les tensions, préserver et multiplier les espaces de discussion, encourager le dialogue interhaïtien. L'établissement d'une collaboration solide et d'une coopération efficace entre les autorités nationales de la transition, la mission... Il y a tout déblosage ça qu'a fait dans le pays. Hein? Monsieur que Pierre Espérance, en pile l'autre bagaille, il était préoccupé par ça. Monsieur que Pierre Espérance, en pile l'autre bagaille qu'il était pensé pour le pays pour l'instant, c'est pas dossier muscadien tap trop intéressé. Mais le coup y a m'apprendre ça, Kerline Adrien, et puis m'aller dans l'archive, il y a deux bagages qui attirent l'attention. Relation Pierre Espérance, connexion Pierre Espérance à Nenel Kassi. M'pas un problème que Pierre doit toujours exiger la révocation de Muscadet. Mais c'est sous qui ça Pierre basé vraiment? Parce que m'songe, RNDDH te besoin de te révoquer Muscadet depuis. Le monsieur te voye aller zo poisson. Si pas de bon tete, et m'bote quand même gonne pas la muscade, non le ça. Si pas de bon tete, bon Dieu te ba en micro sur réseau social yo la. Organisation droits humains, ça yo tap valé muscade déjà. Parce que yo tout te fè zo poisson passe pour frère l'évangile ak bib nan men. Ah. Eh ben, disait, kounya, le mal, m'di, oh, zo poisson, oui. Nèg 5 secondes, oui. M'tande moun, n'y a tande la radio, oh, Muscadet, m'y a fait exécution sommaire, le bagay, tout est citoyen paisible. M'di, oh, qui citoyen paisible? Eh pas zo poisson, ça m'gonne, hein? Nan voix, moi. M'di, c'est pas zo poisson m'gonne, hein? Le zo poisson tombé. Famille, monsieur, c'est demain en l'air au marché, oui. Tellement monsieur ton poison rate pour famille oui on gâte race oui depuis le ça m'a suivre le coup n'a moi Pierre parce que bon on pas comprendre parce que Pierre pas trop parler sur Ariel moi remarqué monsieur a parlé souvent pendant Connie vin là et ceci c'est belle ti parole qui a tombé
Généralement, comme ça, n'est-ce pas fait. Vous comprenez ça, nous? Et donc, sous Ariel, m'a pas trop marqué, puis il a été trop parlé. M'a pas connu. Qu'on y a, vini là, et puis de temps en temps, il y a des paroles là, ça dit. Le monsieur attaque l'imande parce que vous faites révoquer Richemont. Par contre, si c'est pour qu'à chercher égal égo à Richemont, peut-être, par contre, si Richemont est en mille, par contre, s'il compte dénoncer Richemont, tout, par contre. Puisque yon révoqué Richemont là, monsieur gen la cherché yon égalité, yon équilibre, monsieur exige la révocation de Muscadet. Si yon volo, Muscadet volo. Si c'est dans la corruption, Muscadet tombé. Si c'est abus, monsieur a fait moun. Si monsieur tombe dans le viol, a fait kade jak dapi yon sous ti moun. Là, mon cher Muscadet, ma premier nèg kan fasou kap dénonce comme vagabond malandrin pas utile. Mais si c'est parce que monsieur gen élément nan men, gon série de vagabond kap ba moun problème, que nèg politique créé, et puis c'est nèg sa ou vlal pourri ni pla. Muscadet la gen ou ate, ta gen nèg ka vin ou ete Muscadet la konsa, si n'pa gon bagay vre nou reprochel. Parce que même nèg, attendez, même nèg qui a reproché Muscadet, qui a dit révoquer là, nèg ça ou pas, j'aime tendre, ou a dénoncé coalition gagne avec facilité. Muscadet, tout parler, monsieur parler, le dou lui-même, ni pla la prête cimetière pour bandits, pour criminels, pour assassins. Yo. M'pa jamais dit, m'pa m'tendre le dit, nèg politique, nèg justice, nèg droits humains, m'pa tendre le dit ça. Si tout langage monsieur c'est contre gang, son nèg contre monsieur bon dans gang, m'pa fin comprendre bagay ça. M'pa besoin comprendre parce que tout les demain par la Muscadet m'a posé le question. Pourquoi ba monsieur dou ou est ni plat? L'après ton cimetière pour gang yo. Et dou est nèg ça yo, m'a attaqué à boule rouge. M'a attaqué bandia à la hauteur de ses actes. C'est ça m'dan de le dit. Eh bien sou pas bandi pour ça qu'on sauter là. C'est comme quoi il y a parlé volo mal. Et me rivon côté me tomber plein, me tomber crier en moi. Bon, on pas dans volo. Qui m'aime y a jouer volo. On pas comprendre bagaille ça. Si me pas volo. Si y a jouer volo, pourquoi ça me fâche? Me fâche mes estomaqué, ma babier, ma bougonné, oh nèg ça depuis me vinn là, y a jouer volo. Bon, qui m'aime y a jouer volo? Moi me pas volo. Eh bien, écoutez, pour qualité cause de gen en pays, ça, côté ces nègres exam, qui a fait toute qualité de blousaille, pour ça, nègres exam, fait nous là, la société, pour crime nègres yo fait là, la famille des enclos a crié jusqu'à présent. Famille guerrier a crié, la famille Jean-Baptiste a crié jusqu'à présent. La famille Paddy a crié jusqu'à présent. M'pa joine rapport qui expliquait, qui racontait crime. Parce que gen rapport pour rapport. L'on vient pour un rapport, oui, tel tombé, tel tel. Ça par rapport. Ou juste bail en information. Yon rapport son baga ki détaillé ou par rapport l'ONU yo, yo explique justement de A à Z. La famille Dorival a crié jusqu'à présent. La famille Jean-Baptiste a crié jusqu'à présent. La famille Pétion a crié jusqu'à présent. Écoutez la société. M'a cherché des rapports qui bien détaillés. M'poko joindre ça yo jusqu'à présent. Bien détaillé. Et pas Nick Vincité, non, m'a parlé de rapport en détail sur des crimes de sang. Ça veut dire que tant nous prend pour nous exiger révocation en commissaire qui lui-même anti-gang. Nous devons prendre tant ça pour nous faire recherche, pour nous plus connaître moun qui victime, pour nous produire un rapport détaillé. Rapport ça pral utile la République. Est-ce que vous comprenez ça?
Rapport ça pral utile la République. Parce que, écoutez, si rapport pral utile la République, en utilisez-le. Ah, c'est moi-même qui ai dit parole. Moi, j'ai un problème avec Pierre, non? Mais pour qualité dossier de dans le pays, ça, gang fin pour un pays. Moi, on y a l'or chaud pour révoquer Muscadet, pour faire gang yon al touye en bas. Gang pa vle wè nèg la. Va le bagayi nan peyi sa pou régler. Koun yo pa wè so gen pou régler. Oui, fò revoke Muscadet. Bon ki sa l fò ou menm? Ou nan l'ouest nèg la nan lip. Bon ki sa mouche fò ou menm? Ki comment le fè dérange ou la? Tande bien. Bon, répond mon question ça Pierre. Nan ki sa Muscadet dérange ou la? M ta renmon di ça. Nan ki sa dérange ou? M pa comprenn bay sa. Monsieur Dou, ni pla Breton cimetière pour les bandits. Bon, pour être ça, moi, je t'ai demandé de révoquer les bêmes ou femmes suspectes, mon cher. Ça, c'est m'baffin, comprenne. Si ou pas bandit, ou pas bandit, ou pas association malfecte. C'est bandit, il pas vle ouais. C'est l'île, c'est bandit, il dit pas passer dans l'île. Mon soga, nèg là, là. Eh, mon cher. Elle dit, ouais. Kounia, ou pas, faut me rallier tes archives, ça, pour montrer que, contrairement à Jean Mounio pour en pédé, pour pas laisser amener. Moi, m'pas prendre comme ça. M'pas prendre comme ça.